Parole d'expert, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Claire Mellet, expert en leadership et motivation. Bonjour Claire. Salut Geoffrey, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. C'est avec grand plaisir. Alors la motivation, c'est un vaste sujet. Alors est-ce que d'après toi, est-ce que d'après ton expertise, ton expérience, est-ce que la motivation est une qualité indispensable d'un web entrepreneur ou même d'un entrepreneur en général? Alors, c'est une super question. Effectivement, c'est un vaste sujet. Moi, je dirais que la motivation, déjà, il y a deux types de motivation. Il y a la motivation extrinsèque, donc qui vient de l'extérieur, et la motivation intrinsèque, qui elle va venir au contraire de l'intérieur de nous. Et pour moi, c'est celle-ci qui est vraiment super importante pour tous les êtres humains, je dirais, mais encore plus pour un entrepreneur. C'est cette motivation qui vient de l'intérieur. Donc elle vient de l'écoute de soi, de ce que j'ai envie, de mon pourquoi. Et je pense que c'est cette motivation-là qui est vraiment super importante. Tout simplement créer sa solution, apporter de la valeur, contribuer. Et pour développer cette motivation-là, pour moi, il y a deux choses, il y a deux leviers. Le premier, je dirais, donc, c'est de faire le silence justement autour de soi pour pouvoir s'écouter soi. Et ce n'est pas forcément toujours facile avec le bruit extérieur ou tous les conseils qu'on peut recevoir ou même aller chercher quand on a l'impression que la solution, elle est ailleurs ou elle est partout ailleurs. Donc, premier levier, faire le silence pour être à l'écoute de soi. Et deuxième chose, l'autodiscipline qui permet ensuite de donner vie au projet chaque jour et qui va permettre de voilà, faire des petits pas tous les jours pour vraiment avancer et rester motivé parce qu'on voit que les choses avancent. D'accord. Donc c'est vraiment une discipline au quotidien et c'est quelque chose qui doit venir profondément de l'intérieur. Oui, tout à fait. Ça, pour moi, hein, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus efficace. J'ai d'abord beaucoup fonctionné à la motivation externe, donc à aller chercher, écouter des discours de motivation, avoir des coachs qui motivent, à m'entourer de gens qui sont motivants. Et c'était top. Mais la vraie ressource, enfin, ce qui se passe, c'est que du coup, quand il n'y a plus personne, ben, on peut se retrouver un peu seul et à se dire, en fait, je suis plus motivé. Et finalement, en mettant à l'écoute de ce qui, moi, me passionne vraiment et m'inspire vraiment, là, je trouve une source de motivation illimitée, on va dire.